T'en as quelques-uns qui jouent avec Spellbook? Attends, je sais même pas si ça existe encore. Ça existe encore Spellbook? Mais ouais, Phase Rush, c'est très rare. Merci Milarog. Je pense que je peux me permettre la lame d'odorant. Horn, ça harasse beaucoup, mais il a pas la poigne de l'immortel. Du coup, il a beaucoup moins de puissance de trade. J'ai pas envie de prendre un bouclier, du coup. Donc, résumons, mon support est sorti de la base avec les home guards. Il s'est arrêté ici et n'a pas bougé. Il a décidé d'AFK clavier, enfin. Il a décidé d'envoyer son perso ici et d'aller pisser, ok? Bon, bah alors, champion late game a déjà scale, prank. Mais ouais, pour revenir à ce que tu disais, du coup, le breaker c'est clairement situationnel. Le stuff standard au possible, c'est Hydra, Berserk, Fantôme, et après ta vise. Allez. Je vais prendre ma première poigne. Ok, il a plus de plaque d'os. Ça me permet de voir avec quoi il joue aussi. Incroyable. Mince, j'ai pas eu les deux. Bon, en phase rush, je pense qu'il est là pour refuser toutes les interactions et scale. C'est rare en vrai, les joueurs de Horn, ils adorent jouer la lane habituellement. Le perso a un super kit pour jouer la lane. T'as un énorme potentiel de trade avec ce perso. Merde. Si j'en crois les pings de mon équipe, Jax devrait être bot side. Du coup, je peux faire ça gratos et reset. Allez. Petit cheat recall. S'il refuse toutes les interactions, je vais prendre un abatteur le plus rapidement possible. Voilà. Merci, elle fourchette pour l'abonnement. Merci beaucoup. Putain, le clear du perso. What the fuck? Ok, je m'attendais pas à ça. Ok, j'ai perdu l'XP que d'un seul creep. Et je vais pouvoir stack mon abatteur rapidement. Ouais, il aura perdu beaucoup plus d'XP que moi sur ça. En vrai, il va faire full armure, mais j'ai Zac et Syndra au topside. Du coup, ça va, il restera tuable. Je crois qu'il a loupé le canon. Pas sûr, mais je crois. On n'est pas encore à 5 minutes. Oula, oula, oula. Oh, 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 merde. Chiotte. Je suis mort.
Après, je peux faire perdre un temps immense. Repousse-le! Nice! Derrière les lignes ennemies! Bon, je perds la lane sur ça, mais putain! Je viens de les fissurer mentalement, t'as pas idée. Mais voilà, j'ai perdu tellement de creep, tellement d'XP! Après, j'avais crash la lane avant, du coup, ça va! Il sera même pas tant en avance sur moi, mais. Non, en vrai, ça va et je reste devant en CS. Je reste devant en CS et je vais quand même avoir le temps de récupérer pas mal. Ouais, je vais pas tarder à passer level 6. Là, il a le spike 6 avant moi. Il va vouloir en abuser. Il meurt après. Oh là, l'action, je t'assure, c'est une fissure. Il revient après tout ça et il meurt direct. Et moi, je suis même pas mort. Oh là, il est fissuré. Hein. Allez hop, j'ai un bon spike, il va avoir le temps de crash la wave, mais bon, il a claqué son TP, c'est ok. Il en fait du bordel son skin. Bon là le problème c'est que je suis pas bien comme j'aurais dû l'être. Je dois me battre contre un mec qui a un niveau d'avance qui est très dur en tant que top lane. Très dur partout mais surtout top lane. C'est ok, je suis venant farm, j'ai un kill, j'ai un abatteur, j'ai une plaque. Mais ça pourrait être tellement mieux. Non, ok. Il va commencer à galérer d'un point de vue mana là. Merde. Ok, la Séraphine a genre tout loupé. Je veux bien mon frérot, mais j'ai pas. Ok, on les travaille pour le Zac. Non, j'ai même pas l'assist. Le Zed il a pas eu le temps de partir. En fait avec l'Ignite il y avait trop un truc à faire mais là c'était compliqué. Après l'action reste incroyable. Malheureusement j'ai eu qu'une assist sur les deux. Je voulais plus temps pour le Zac moi vu que je le voyais venir. Et le Nautilus avait pas de level 6 aussi. Mais bon ça reste incroyable.
Allez, une petite dernière plaque pour la route. Ah putain, je croyais que c'était le même Zach que la partie d'avant, mais en fait non, c'est un autre. Je vais rester sur la lane. On devrait le tuer sur un gank, là j'ai tout de up. Putain, mais elle est lourde, elle! Ah! Je pensais pas qu'elle allait pouvoir me rattraper en vrai. Je pensais que j'allais m'enfuir avec mon petit larcin là. Bon là par contre je vais être trop bien. Vol de vie et Tiamat contre un tank. Après le truc c'est qu'il va crash beaucoup. Après cette game normalement, enfin faut jamais dire ça trop tôt en solo queue, mais là normalement elle est gagnée quand même. Notre Zac il est trop bien, notre mid a 3 levels d'avance. Attends mais le Aurélion il a commencé avec 400 gold d'avance. Et là il se prend 60 CS 3 niveaux. Plus l'XP du kill il avait. Qu'est-ce que j'en pense du skin possédé de Trinda? Son skin légendaire? En vrai il est sympa. Mais il a surtout une valeur sentimentale. Parce que c'est le légendaire de Trinda, il est sorti en saison 1 et quand il est sorti c'était l'événement. Tu vois, t'avais ce skin, t'étais... Pa. Oh! Qu'est-ce qui se passe? Tiens. Ok, nice. Les gars, vraiment, j'ai l'impression que tout est trop facile avec un Zac. Je suis fan du perso. Et qu'est-ce que je déteste jouer contre? Il apporte tellement. Il scale tellement. Ses ganks sont trop forts, ses teamfights sont trop forts, le scaling est trop fort. Il farm bien. En fait, la grosse faiblesse de Zac, c'est que si t'es contre un jungle extrêmement fort, qui joue un truc genre Nidalee, et qui te fout l'invade... Non mais vous êtes des rageux, c'est pas possible! Non mais... Mais pourquoi toutes les games c'est la Paris Games Week? Je peux jamais parler tranquille avec mon chat, bande de merde. In-game. Mais ouais, je disais donc... Le problème de Zac, c'est que si t'es contre un bon main jungle qui joue un perso très proactif capable de teamvade, genre Nidalee, il peut te snowball comme pas possible, mais... En vrai, avoir un certain elo, c'est rare que ça arrive. De tomber sur une situation comme ça. Du coup, ouais, je trouve que Zac, c'est vraiment fort. Je sais même pas si je vais pouvoir compléter mon abatteur avant la fin de la game. Allez, laisse-moi me proc la poigne, s'il te plaît. Laisse-moi me proc la poigne, merci.
Ok, bah c'est la fin. Putain, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'entre deux. Il n'y a pas d'entre deux aujourd'hui dans mes games, regardez. C'est genre...